format du petit calibre, du gros calibre et du calibre tout sauf légal. T'as des modules de fou, Choum. Y'a que le Maelstrom qui a des trucs comme ça d'habitude. Ça, tu veux dire? T'as encore rien vu? Mais attends un peu. J'ai ça aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un accident? Il y a pas mal de théories différentes. Cyberpsychose, accident de jeunesse, mine explosive, dysmorphie corporelle, à toi de choisir. Et laquelle est la vraie? Et celle qui va me rapporter une vente. Et donc, comment je peux t'aider? Prégnose ta collection. T'as pas peur que ça pète? Tout est connecté à moi, avec boucle de rétroaction, connexion solidaire et tout le tralala. Relax. Ça fait beaucoup pour une seule personne. T'as pas peur de la surchauffe? Moi? Avoir peur? peut-être un peu. Bref, et si on continue à parler à faire? Regarde cette petite beauté, Rostovitch DB2 Satara. On dit que ça appartenait à ce Choum Brick. Où tu l'as eu? Un bon revendeur dévoile jamais ses sources. Les objets trouvés, c'est mon truc. Et plus ils sont vicieux, plus j'adore. Que tes rêves les plus tordus deviennent réalité. Je connais pas de On raconte des tas d'histoires sur cet endroit. Pour les vendeurs de Kabuki, c'est une putain de légende. On dirait que la légende disait vrai. Tu vois ces stands? C'est juste la partie émergée d'un iceberg géant. Continue à plonger et tu risques de trouver une vérité bien plus sombre. Vraiment dégueulasse. Les plus grosses ventes se font derrière des portes closes. Au stade de Dogtown, les bons acheteurs rencontrent les bons vendeurs. Hé, c'est pas par là. Pour la dernière fois. C'est pas moi qui ai merdé sur ce coup-là!
T'aurais dû fournir ces putains de filtres sans discuter. Mais non, ça aurait été trop facile. Et toi, t'aurais dû allonger les eddies. Comme ça, t'aurais été filtre au lieu d'une putain de fuite. Écoute, Mamacita, ça a déjà commencé à suinter dans le réservoir, ok? Alors si les chiens de Hansen l'apprennent, on est morts tous les deux! Bon, d'accord. Chez moi dans une heure. Je te prête le matos et je te trouve un Tekkos. Combien pour produire de la protéine? Du bon scope ou la merde de la dernière fois? De se foutre dans la merde. Vaut mieux rendre des petits services par ci. Si vous entendez ceci, c'est que vous êtes au bon endroit. Comme une pute. Et pourquoi j'ai fait l'état? Pour que ça corresponde. Les taxes, qu'est-ce qu'on en foutrait? À Dogtown, c'est moi qui protège les affaires.
Et alors? C'est pas toi qui va tirer. Vous servez de la vraie viande ici? Hein? Vous voulez dire de la viande animale? Vous foutez pas de moi! Vous avez quoi à manger? Bien plus qu'un croix. Voyez-vous-même. Déjà pour nourrir ma famille avec ma portion de vétéran. Vous savez qu'on a 5 ans pour élever 2 adolescentes. Oh, vieux foyer sympa. Ma soeur, ces deux gosses, leur maison a été inondée. Ils ont tout perdu. Ici, tout le monde vend des armes et des chars d'assaut, mais vous, vous avez décidé de vendre des vêtements. Attention, pas n'importe quel vêtement, uniquement la crème de la crème. De Avante à Giovanni Brezzi. Et ça marche? Pour l'instant, oui, pour l'instant. Mais mon fils est athlète, alors je n'ai qu'à demander et on pourrait quitter, docteur. Athlète? Où est-ce qu'il s'entraîne? Il y a des endroits pour ça. Je cherche des fringues premios. Alors ne cherchez pas plus loin. Weźmy kred. Kończymy ze stadionem. Idziemy w legalne rozwiązania. Adieu, j'ai vendu au numéro de licence commerciale ANPC pour 2500 euros dollars. Que renferme cette mystérieuse boîte Biotechnica, vendeur ANPC 79? Vous pouvez nous le dire? Je plaisante! Ça ne nous... Alors, comment ça s'est passé avec ces filles du Moyen-Orient? En bon état, j'espère. Je cherche un cracheur. C'est pour une utilisation personnelle ou à grande échelle? Vous voulez vous faire un cadeau ou équiper une petite armée? Quels que soient vos besoins, on a ce qu'il vous faut. C'est juste pour moi. N'en dites pas plus. Et si jamais vous vouliez vous lancer dans la course à l'armement, nous serons là pour vous aider à franchir la ligne d'arrivée. Mais... je pense qu'il veut juste une instant. Je vois. Laisse couler. Il trouvera pas de meilleure offre. Il reviendra. Je voulais te demander à quel point c'est grave pour toi. Pourquoi tu demandes? C'est dans un coin de ma tête depuis que je me suis connecté. Peut-être parce que j'ai ton biomoniteur devant les yeux en continu. Désolé. T'en fais pas. La relique aura ma peau, c'est sûr, mais pas avant que je vous sauve, Mayer, c'est toi. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux simplement que ça marche pour toi. Tu te bats pour toi-même, pour ta vie. Tu mérites une seconde chance. C'est gentil de ta part. J'espère que t'as raison. Allez, au Laker. On est ensemble dans cette galère. C'est pas faux. Tu le regretteras pas. Mais je te le garantis. C'est l'affaire du siècle. Je regrette déjà. Je vais pouvoir rester au stade, finalement. Et tout le fric que tu dois au Barguet, alors? T'as 2 mois de retard sur le loyer. Où tu vas trouver les édits? Tu crois qu'il suffit de 5 minutes et d'une poignée de main pour s'offrir la protection de Hansen? Je suis dans la merde jusqu'au chronique. Et ça continue de monter.
J'ai pas de temps à perdre, il est venu pour moi. Qui ira vérifier? Relax, mec. Putain, mais si t'es aussi relax, bats-toi. Casse-toi! Convaincre que c'est réglo. Arrête, Joe. T'avais l'habitude d'arnaquer des cadres chez Biotechnica, alors les toutous dans le scène, ça sert un jeu d'enfant. Autant que je sache, Biotechnica pendait pas les gens par les couilles. Oh, mais si! Il faisait juste. Casse-toi! Bon allez, il est temps pour toi de grimper jusqu'au toit. Hein? Pourquoi? Bah, pour la vue. Et je plaisante pas, parce que de là-haut, tu pourras littéralement voir où on va atterrir. L'ascenseur. Merde ! Un court-circuit. J'ai plus accès. Et maintenant ? Essaie de redémarrer le générateur. Tu tires la gueule ou quoi ? Je déteste les contretemps de ce genre. Quand les choses ne marchent pas comme prévu. Ah, laisse tomber. Toute la tech est à chier par ici. Enfin, monte. L'ascenseur va vers le toit. Pour info, on s'apprête à entrer dans l'espace aérien de Night City. La présidente tient le coup? Eh ben, elle range ses documents froidement et calmement. Mais c'est la troisième ou quatrième fois, donc je suis clairement pas la seule à être stressée. Je vois que t'es arrivé. Parfait. Ça va, la situation à bord? C'est stable, mais la tension monte. Et c'est pas surprenant. Tu vois ça? C'est nous. Space Force One. On amorce notre descente. L'atterrissage va être... Oh merde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain de merde! Okay.
aucun putain de problème. Morceau. Oh putain, Songbird! Tu m'as fait peur! J'ai cru que t'étais... Ouais, je sais, je sais. Le petit chat Songbird vient juste de commencer sa 9e vie. Malheureusement. J'ai envoyé Myers dans la cabine sécurisée de l'avion avant de m'éjecter. Fonce jusqu'à l'épave et... sauve-la! Faut que tu te dépêches. Et après, est-ce que t'as un plan? Trouve Myers et conduis-la à l'East Crest Street. Il n'y a pas d'endroit plus sûr à l'obtendre pour le moment. D'accord. Je te contacterai. Bonne chance, V. Concentre-toi. Tu passeras pas par là. Je sais que t'es doué, mais je préfère ne pas prendre de risque. Fais plutôt le tour discrètement. On s'est miné. Grimpe à l'échafaudage. Allez. Sont déjà sur place. On leur a clairement donné un boulot à finir. T'as combien de gars dans cet avion? On était 11 à bord, en nous comptant Rosaline et moi. Mais combien sont encore en vie? Ça, par contre. Viens y avoir un moyen de... Ah! Ça y est, j'ai trouvé. Monte sur le bras de la grue. Tu devrais pouvoir le faire bouger. On n'a pas une seconde à perdre. Traverse le toit, et pas avec trois troncs.
dessus. Continue d'avancer. Rejoins l'épave. Et attention sur qui tu tires. Les agents des NUSA ne sont pas des ennemis. Le réservoir est inifugé, ça explosera pas. Tu vois quelque chose? L'épave d'un avion spatial? Les survivants? Personne n'est venu m'accueillir. Merde! On arrive trop tard? C'est plutôt calme ici, comme dans une tombe. Si c'est vrai alors, j'ai besoin d'être certaine. Il me faut une preuve de sa mort. Continue vers le fond, tu trouveras une cabine sécurisée. Je déverrouille la porte. Rosalind Myers, je suis là pour régler tous vos problèmes du moment. Je m'appelle V. Vous savez quoi? Je crois que c'est ma nouvelle lettre préférée de l'alphabet. Toutes mes excuses. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Ouais, allez, on fout le camp. Oh, shit, putain!
Bird. T'es là? V, comment ça se passe? On est en vie. Tous les deux. Bon, écoute, dirige-toi vers le bâtiment inoccupé sur... Elisabeth Kress, je sais. Tu me prends pour qui, là? Vous trouverez pas de meilleure planque. Y a aucune signature thermique. Ça veut dire que le bâtiment est totalement vide. Maintenant, grouillez-vous. Songbird a pris contact. Elle va bien. Et elle nous a dégoté une planque pas loin. Songbird, j'ai commencé à m'inquiéter. J'aurais dû savoir qu'elle retombe toujours sur ses pattes. Vous avez eu beaucoup de chance, toutes les deux. Vous avez dû nous porter bonheur. Tout ça, c'est un putain de cauchemar. Mes hommes sont morts. Tous morts. Par ma faute. Hey, c'est Kurt Hansen qui les a tués. Pauvre.